Que tout le monde qui m'emmène ici sur Neverwinter avec le dernier mise à jour. Allez, comme vous voyez, je n'ai pas encore touché. J'aime bien le côté dernière fois, le 25. On voit que c'était samedi que je me suis connecté. Cool. Wow. Joie. Wow. Wow. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un petit touche que j'aime bien. C'est pas mal, ça. Allez, hop. Ah, comment vous allez? Je sais que beaucoup entre vous avez déjà commencé le nouveau truc, le nouveau extension, machin, brawl, tout ce qu'on veut. Moi, pas encore, comme vous pouvez le voir. Et il est déjà 20 h passées, je crois. J'ai aucune idée. Vu que, ouais, il est 20 h passées. Et comme j'ai dit, j'aime bien découvrir en même temps que vous. Et on va découvrir ensemble. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire, ce que je dois aller à l'apothéoseur de l'enclave ou quoi, ou qu'est-ce, ou comment. Et le premier truc qu'on va faire, c'est hop, hop, hop. Et on va aller à l'apothéoseur de l'enclave et on va voir si on doit parler à Nox. On va voir. Ah. Ok, ce n'est pas chez Nox apparemment. Ok, c'est Never Member. Qu'il faut aller parler. Voilà. Ouais, je sais, j'ai coupé tout. J'ai coupé parce que le chargement dans ce jeu peut prendre du temps. Alors, on va aller voir et va. Je vous retrouve tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. Comme j'ai dit, petite transaction, vite fait, bien fait. Hop. Comme ça, on n'ennuie personne. On y va directement. Et voilà. Hop. Et maintenant, qui me tue-t-il? C'est par là? Ah, ben, fallait que j'entende. Que la porte s'ouvre, pièce. On dirait une forteresse. On dirait une forteresse. Waouh, t'es qui toi? Ouais, ok. Mais c'est une forteresse. C'est la zone de forteresse, non? Je me. C'est quoi ce truc? Bah oui, c'est les zones où il y a les forteresses. C'est quoi cette connerie? Dis-moi que c'est. C'est pas une blague. Ils ont pas recyclé une forteresse quand même. Non! Neverwinter, allez! Ah zut, ça me donne faim. Nom, Bienvenue au manoir Windrake. Vous êtes là. Que les dieux soient loués. J'espère que le seigneur Neverember m'envoie quelqu'un de compétent, car je ne sais plus que faire. Tu parles à moi ici, je suis pas assez compétente. Link, vraiment? D'étranges brumes sont récemment apparues autour du manoir. Elles s'accrochent et persistent même lorsque le soleil est au zénith. Bon, je passe le blabla, je suis désolée. Chaque jour, des visiteurs se sont établis sur mes terres. Des voyageurs venus de contrées lointaines. Oui, blablabla, tout ce qui nous intéresse, c'est la nouvelle zone, nouvel donjon, et voilà. Sachant que tu as réussi à recycler une forteresse. Un Link. Ouais, il y a mon chat juste à ma droite qui veut essayer de choper les gerbilles, mais ça va pas le faire. Et ça, c'est mon café, tu le bois pas, t'es déjà un chat assez excité comme ça, toi. Hein. Hop, hop, hop. Allez, hop. Nous sommes les Vistani, un peuple nomade qui a depuis longtemps dû quitter ses terres. Une nuit, un soldat blessé a débarqué dans notre camp, chancelant avant de s'effondrer. Nous l'avons soigné et guéri. Ses ennemis le pourchassaient. Mais nous l'avons protégé comme s'il s'agissait de l'un des nôtres. Il s'est avéré être un prince. Et il s'est battu pour nous protéger. Comme nous l'avions protégé. Nous l'avons escorté jusqu'à sa terre natale. Et en remerciement, il nous a offert la liberté dans son royaume. Nous permettant d'aller et venir à notre guise, en sachant que nous y serions toujours en sécurité. Une malédiction a frappé notre noble prince, le changeant en tyran. Nous avons voyagé par monts et par vaux pour trouver des héros capables de mettre un terme à sa malédiction et apporter la paix à son âme troublée. Il y a des loups-garous, il y a tout ce qu'il faut dans ce jeu, ils sont toujours pas convaincus si c'est un vampire ou quoi. Vous avez tout ce qu'il faut dans ce jeu et vous. Ouais, je me tais. Si tu me veux, toi. C'est bon, tout est réglé. Puis-je Ouais. partir? Eric, mon mari va J'ai s'inquiéter. jamais demandé que tu viennes avec moi, alors viens pas te plaindre.
plaindre. Bien sûr que je lui dirai. Ok. Eric ne me laisserait jamais oublier une chose pareille. Bien, si vous n'avez pas... J'ai jamais eu besoin de toi. Je vais vous laisser avec vos nouveaux amis. Really? Je dois retrouver la sécurité du château aussi vite que possible. Really? Neverwinter, j'ai même pas demandé qu'elle me suive. Pourquoi elle était derrière moi et après elle me demande si elle a plus besoin d'elle en sachant qu'elle a rien fait. Maintenant que vous connaissez l'histoire de notre terre, maintenez-vous votre offre d'aide ou pensez-vous que le défi est trop rude? Vu que je vais mourir tout de suite, j'ai pas le choix. Ok, oui. Ok. C'est vrai que le cinématique qu'il nous a présenté pour le trailer du jeu n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai maintenant. Mais bon, ça c'est autre chose. Ok, c'est ça la nouvelle zone alors. Vous allez voir. Rencontrer Madame. Elle est juste là. Bienvenue en Barovie. Les corbeaux, c'est très bien. Je sais, c'est assez ennuyant pour le moment, oui, je sais. Mais bon, on connaît tous les jeux, hein. Ah, ça n'a absolument rien à voir avec la cinématique, cette partie-ci. Hein. Les cartes montrent que votre destin est de rompre la malédiction de Strahd. Ah oui, c'est vrai, j'ai débloqué T9. Ha 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 ha. Après tout ce temps. Trouvez-les pour pouvoir sauver la jeune fille et libérer la Barovie de la malédiction du démon. À présent, vous aurez une carte de Taroka. Pardon, je me suis endormi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, je suis méchante. J'ai jamais dit, même pour les nouveaux abonnés, j'ai jamais dit que pour avec Neverwinter, je suis gentil. Hein. Toi, tu t'es. C'est extrêmement rare que je suis entre guillemets positif avec ce jeu. Hein. Là, t'as l'air un plus gros que l'ancien. Ah oui, ils sont là. C'est des niveaux 70, c'est une blague? Attends, les autres ennemis sont tous à 73 et toi tu me fous les niveaux 70 ici, dans cette nouvelle zone. Et il n'est pas encore tombé, hein. Il a fallu du temps. Ah bah voilà, il y a encore un là-bas. Tu vas encore prendre du temps. Oh, regarde. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Really? Really? Oh désolé. Oh mon dieu. Mais tais-toi, tu m'embêtes toi. Elle est pire parce que je regarde même pas ce que j'ai reçu comme truc. Quoi, oh, ça c'est nouveau ça. Rendez-vous dans les objets de vos cartes. Appuyez sur la boîte. Voir les cartes. Ok. Oh, come on, really. J'aime pas ce genre de truc. Ouais, ok. Et toi, tu me fais quoi, toi? Inspecter. Ouais, ok. En fait, tu viens justement de me le dire. Oui, la preuve, j'ai qu'une seule clé de chaque, alors, hein. Pas de diamant, je suis pauvre. Et hop. Ouais, maintenant j'ai deux petites clés. Ouais, moi ça je regarde. Non! 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 On ne regardera pas. Hop. Oui! Oui! N'empêche, j'aime bien parce que ça fait plus Neverwinter Donjons et Dragons que Jurassic Park. Alors ça j'aime bien, ça c'est mieux.
J'aime bien parce que... Really? T'es quoi, toi? Oh, mais vous êtes des chasseurs! Ah, ben, je suis même pas obligé de les tuer, alors. Ça aussi, ça me fait rire des fois avec Neverwinter, c'est que t'as les gens comme ça, tu vois, les NPC, là, qui se baladent comme ça, ils one-shot tout le monde. Hein? Mais par contre, quand tu leur demandes de faire quelque chose, comme dans Le Prince marchand, qu'ils ont une épée qui se prend pour des gros... Ouh, des grands... Font rien. Bon, quand même, tu pouvais choisir un autre monture. Celle-là, elle est assez connue dans Neverwinter, quand même. Je suis le comte Strath Ah, Frangin. ok, c'est toi, alors. Ah, les Vistani vous ont montré Ah, ok. l'endroit. J'admire votre Ouais, fermeté. bla 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 Je bla. crains que vous ne soyez pas à la hauteur de l'attente. C'est moi qui t'ai... Moi et mes abonnés qui vont dire si je suis l'auteur à la tâche. Ça veut dire non, parce que je vais complètement me faire one shot. Et les gens vont en avoir marre de m'entendre parler. C'est pas Neverdeath. C'est quoi la zone qui ressemble à ça? Ah, génial, il y a un soleil et une nuit. D'accord. Apparemment, en bas à droite. Laisse-moi deviner, quand il fait noir, t'as toutes les monstres qui sortent. Ouh! Ouh! Ghostbusters. The Ghostbusters. SOS fantôme. Who you gonna call? Ghostbusters. Alors, déjà, t'as tout le monde. Poussez-vous, poussez-vous! Je voudrais bien la parler, merci. Les monstres rôdent partout en Barovie. Ah, c'est tout ce que t'as à me dire, toi? Ok. Laisse-moi deviner, c'est ici que la campagne commence. Laisse-moi deviner, c'est ça? Ben voilà, parchemin, ben voilà, disponible, voilà. Voilà la campagne, ok. Et par semaine, génial, ils ont refait le même problème avec la chute. Ça veut dire que tu peux déjà tout faire une seule fois et il faut attendre 5 jours, je parie. C'est ça? Ok, qu'est-ce qu'on a comme atout? Nous avons bonus de mort vivant. Par contre, j'ai plein, franchement, c'est pas pour être méchante, mais j'ai plein tous les gens pendant la chute qui ont pris tout ce qu'il fallait contre les dinosaures. Moi, je l'ai pas fait. Et c'est pas une blague, je vais vous montrer après. Rétablissement. Ça, c'est quoi? Mouvement. Résistance. Max. Contrôle. Là, on a quoi? Non, ça c'est pas pour moi. De toute manière, je sais pas pourquoi je regarde parce que je vais pas le faire. Ouais, la preuve. Ah. Puissance. Ah. Compte des dinosaures. Et aucun des trucs des dinosaures j'ai pris en fait. Ah non, si. Celui-là j'ai pris parce que c'était pas avec les dinosaures, mais je plains quand même les gens qui ont pris que contre les dinos parce qu'ils sont obligés de refaire leur perso rien que pour ça. Parce que c'est ça aussi que j'ai pas vraiment compris avec Neverwinter, c'est cette histoire-là quoi. Bon, ça c'était juste la petite présentation de ce parti-ci. Je vais vous faire un bisou et je vais continuer tout de suite après, mais avec une nouvelle vidéo parce que je dois sortir mon chien, faire sortir le chat, me refaire un café et blablabla et blablabla et blablabla. À bisous.